Bonjour les enfants, c'est l'ami Rémi avec vous. Et nous allons faire une chanson qui s'appelle La Ferme. 1, 2, 1, 2, 3, 4. C'est l'introduction. D'abord il y a Hector le castor et Édouard le canard et José le sanglier et Charlotte la marmotte et Mireille l'abeille et Léon le frelon et Fédor le porc et Tonio le blaireau. Ils se réunissent et décident d'aller chercher des amis pour se rendre à leur rendez-vous. Ils rencontrent Yvan le hareng et Edgar le cougar et Fidèle la sauterelle et Firmin le lémurien et Ginette la mouette et Manon l'espadon et Yvon le saumon et Mario le bulot. Et en chemin, ils rencontrent aussi plein d'autres amis. Lulu le zébu et Edir le tapir et Dédé la galinette cendrée et Salomon le cochon et Jean-Marc la carpe et Théo le cabillaud et Pascal le chacal et Sophie le canari. Et avec tous ses amis, il rencontre un autre groupe d'animaux qui se rendent au même endroit. Mais quel hasard! Il y a Jean-Pascal l'orignal et Loïc le lombric et Nicolas le koala et Chloé l'araignée et Annie le ouistiti et Hector l'alligator et Hubert le coquin et Raoul le pitbull. Mais il y a aussi Armand l'éléphant et Bernard le balbuzard et Géraldine le cygne et Damien le requin et Arnaud le chameau et Cécile le mandrille et Eric le porc épique et Eric le nazique. Enfin zit, c'est quoi ce bouffon là, il a le même prénom que moi là. Mais on s'en fout, c'est une chanson. Ah non, bah je suis pas d'accord, c'est qu'il y a embrouille là, Grenasse et toi, c'est quoi là, que j'ai le même prénom? Comment ça, Grenasse, tu te fous de mon espèce là, c'est ça? Ouais, les Nastasic, Nazic, t'es le Nazic, t'es Grenasse, t'es le Nazic de... Bon, c'est bon, vos gueules les animaux maintenant, hein. Bon, on en était où là? Ah oui. Et il y a Louis le grizzly et Augustin le lamantin et Sylvie le coati et Virginie le diable de Tasmanie et Herbert le dromadaire et Aurélie l'okapi et Bertrand le footbassant et Laurette la vachette. Ils ont aussi avec eux des animaux moins sympathiques qui ne mériteraient pas d'exister si le monde était parfait. Il y a Edith le trilobite et Noémie la bactérie et Hervé le bousier et Agathe la blatte et Fernande le scolopendre et Chantal la migale et Annabelle le bretel et Le Pen la hyène. Mais peu importe, ils convainquent tous ces animaux de se rendre à leur rendez-vous commun et ils reprennent la route et ils croisent à nouveau Pierrot le manchot et Nono le bigorneau et Alix l'onyx et Loïc le basilic et puis Flore le butor et Chantal le narval et Alexandre la salamande et Donald le canard ainsi que Julie la souris et Zindy la sardine et Stéphane Stéphane petit âne et Vincent le caïman et Omar le homard et Ninon l'esturgeon et Samson le bison et Raymond le gros con. Il y a même Anne la balane et Edith la mythe et François le verre à soie et Maximilien l'acarien et Boris la génisse et Philippe la mouchette et Donald le boa et Rocky le poisson-ci. Et il se lance dans un bras de fer acharné, mais finalement Rocky Balboa. Mais nous nous égarons, et nous oublions nos autres amis. Véronica l'anaconda, et Irène la murène, et Milou le hibou, et Polo le corbeau, et Muriel l'hermine, et Bernard l'ermite, et Anémone l'anémone, et Sergio l'italien. Oh, mais regardez là les enfants cachés dans les fourrés. Il y a aussi Angèle la tourterelle et Arlette la levrette et Arthur le silure et Didier le bourdon et Alexis l'otarie et puis Rock le phoque et Annette la crevette et le loup, c'est le loup, oui c'est moi. Et c'était pas fini, car il y a Béa la houta et Alban le poisson et Richard le lézard et Alain le pangolin et René le fourmilier, Samantha Fox le springbox et Olaf la girafe et Quentin la pomme de pin. Ah putain, ah putain, une pomme de pin qui marche. Ah mais non, c'est parce que dessous il y a Coralie la fourmi et Michael Schenker le scorpion et Yolande la limande et Camille le gorille et Conan le barbare et puis Suze la méduse et Colin le colin et Bernard l'oiseau. Ah merde, il s'est tiré.
Heureusement qu'il reste Yvette, la Belette et Albin, le petit lapin. Et puis Marthe, la Marthe et Jean-Seb, le micro-Seb. Et Loana, le puma, et Isabelle, la coccinelle. Et Mathieu, le lieu, et Léo, l'escargot. Mais dépêche-toi, Léo. Et ils repartent tous ensemble et ils arrivent chez Gunther, le chasseur. Bonjour, monsieur Gunther. Non, vous dérangez pas, on cherche la sortie 22 du péage de l'autoroute, vous l'auriez pas vu par hasard. Et sinon, vous vendez pas des timbres non plus. Et sinon, vous aimez pas les marionnettes. Non, parce qu'on doit y... on va y aller parce qu'on doit passer chez Ali de la Zibline, et puis Rose le Flamant Rose, et Muriel l'Hirondelle, et Aglaé le Bélier, et Anouk le Bouc, et Conrad la Dorade, et Edmond le Plandon, et Eric le Porc Épic. Mais c'est pas vrai, t'es encore là, mais t'es déjà passé. On passe qu'une seule fois par chanson. Hein? Quoi? Moi j'ai déjà passé, qu'est-ce que tu m'embrouilles là? Moi j'ai déjà passé, Eric le Porc Épic est déjà passé. Arrête, je suis jamais passé. Bon, ça va. Mais faut pas qu'on traîne, de toute façon, il faut qu'on aille voir aussi Marion le Hérisson, et Agnès l'Ânesse, et Babette la Chouette, et Claire le Renard Polaire, et Gildas la Limace, et Anice le Portugais, et Julien le Dalmatien, et Flipper le Dauphin. Et si jamais il nous restait du temps, mais voilà, j'en doute, hein, il faudrait qu'on passe voir aussi Bérangère le Protozoaire, et Carlos l'Albatros, et Abdoul la Moule, et Barnabé le Scarabée, et Riton le Raton, et Théophile la Drosophile, et Caisse d'Épargne l'Écureuil, et Francis Huster le Mauvais Acteur. Les enfants, revenez les enfants, la chanson est pas terminée, hein, on n'a pas fait le refrain là encore, hein. Mais c'est toujours pareil avec les enfants, hein, ils sont impatients, hein. Ils ont d'énormes problèmes de concentration, vos enfants, hein. J'imagine même pas s'ils devaient écouter quelque chose de pénible, hein. Ah, vous allez voir, plus tard dans la vie, il faudra être plus patient, les enfants, hein. Bon, j'en étais où, moi? Ah, je sais plus, là. Ah, mais bon... Ils m'ont fait rater. Bon, je vais reprendre depuis le début, je crois que c'est plus simple, hein. Bon, je fais pas l'intro, comme ça on gagne du temps. Il y a Hector le castor, et Édouard le canard, et José le sanglier, et Charlotte la marmotte, et Mireille l'abeille, et Léon le frelon, et Fédor le porc, et Tonio le blaireau. Ils se réunissent et ils décident d'aller voir leurs amis, parce que de toute façon, il faut bien qu'ils y aillent, de toute façon, sur la route, ils rencontrent Yvan le hareng, enfin, ça m'étonnerait, parce qu'un hareng sur une route, tant pis, c'est pour les enfants, de toute façon, on s'en fout. Et Yvan le hareng, et Edgar le cougar, et Fidèle la sauterelle, et Firmin le lémurien, et Ginette la mouette, et Manon l'espadon, et Yvon le saumon, et Mario le bulot. Et en chemin, ils rencontrent encore plein de nouveaux amis, putain. C'est trop cool. Il y a Norbert l'ours polaire, et Laurent Houtan, et Olivier le fox terrier, et Gaëtan le flétan, et Herbert le facochère, et Hugo l'asticot, et Hubert la panthère, et Loulou le kangourou. Mais c'est pas fini, car ils rencontrent aussi Lulu, et Zébu, et Idir le tapir, et Dédé la galinette cendrée, et Salomon le cochon, et Jean-Marc la carpe, et Théo le cabillaud, et Pascal le chacal, et Sophie le canari. Et avec tous ces nouveaux amis là, comme j'en ai plein là, ce soir, et ils rencontrent un autre groupe d'animaux, si c'est possible, et ils se rendent tous au même endroit. Pas là en tout cas.